Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 14 décembre, nous commémorons Saint Jean de la Croix. Bonjour. Saint Jean de la Croix, né Juan de Yepes y Alvarez en 1542, était un mystique espagnol, prêtre, et l'un des grands saints du Carmel. Il est surtout connu pour sa profonde spiritualité mystique et ses écrits classiques sur la contemplation. Jean de la Croix a rejoint l'ordre des Carmes à Medina del Campo en 1563, où il rencontra Sainte Thérèse d'Avila. Ensemble, ils réformèrent l'ordre pour revenir à une observance plus stricte de la règle originale. Cela a conduit à la fondation de la branche réformée connue sous le nom de Carmes des Chaux. Son engagement envers la contemplation mystique a suscité des tensions au sein de l'ordre. En 1577, il a été capturé et emprisonné par des membres de son propre ordre qui s'opposaient à la réforme. Pendant sa captivité, il a écrit certains de ses poèmes les plus célèbres. Il est décédé en 1591 et a été canonisé en 1726. Saint Jean de la Croix est reconnu comme l'un des docteurs de l'Église et est le saint patron des mystiques et des poètes espagnols. Voici une prière adressée à Saint Jean de la Croix. Ô Dieu, qui a inspiré à Saint Jean de la Croix de rechercher la sagesse cachée dans la connaissance de la croix. Accorde-nous, par ces prières, de saisir avec joie la croix que tu nous donnes, et de trouver dans notre propre croix la route de la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Bartholomé Bompdoni, Saint Matronian. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.